Le bleu, je vais te décoiffer. Voilà, parce que Thomas, c'est parlementaire. Moi, je l'appelle chaque fois. Nous sommes tous très préoccupés et plus que préoccupés aujourd'hui, un peu en colère parce que les dotations de l'État, qui nous sont dues bien entendu, sont en forte diminution. Nous sommes prêts à participer à l'évidence à l'effort général de redressement des finances publiques, mais là c'est trop rapide, trop brutal et ça s'additionne avec des charges supplémentaires qu'on nous colle comme les rythmes scolaires, mais ça n'est pas la seule. Ils commencent par donner l'exemple. On nous a annoncé 50 milliards d'économies. Les seules qui sont perceptibles, qu'on peut toucher du doigt, c'est celles qui frappent les communes. Et je le répète, il n'est pas question de refuser de faire des économies. Nous en faisons, notamment sur ce qu'on appelle la masse salariale, qui est la principale dépense de notre budget. Mais je le répète, pas aussi vite, pas aussi brutalement et pas de manière aussi contradictoire. On ne peut pas nous demander de faire des économies et de dépenser plus. C'est ce que l'État fait aujourd'hui.